soir est le lancement de la Fondation du chapitre québécois de Variété. Variété est une fondation internationale. Ils ont décidé de s'établir à Montréal, car Montréal est une ville de cinéma. Donc, c'est sur le thème de Miles Davis, parce qu'on fait la première canadienne du film ce soir. Donc, c'est le premier événement. Il va en avoir plusieurs pendant l'année, de 2 à 3, on suppose. Plus des événements grand public aussi, pour rejoindre les consommateurs. Alors, la Fondation Variety a été créée, en fin de compte, en 1927, à Pittsburgh, aux États-Unis, par un groupe de personnes travaillant dans le théâtre, dans le domaine du théâtre et du cinéma. Et au départ, c'était un club social, donc ils se retrouvaient le soir pour discuter entre eux amicalement. Et puis la veille de Noël de cette même année, ils découvrent un bébé abandonné dans un des théâtres de la ville. Et ils décident de s'en occuper. Et puis très vite, à partir de 1928, la fondation, du moins, a commencé à émerger, c'est-à-dire que le club social est devenu une œuvre caritative qui est venue en aide aux enfants dans le besoin. Et aujourd'hui, la fondation est présente dans 13 pays grâce à 44 chapiteaux. En 2014, la Fondation mondialement, la Fondation Variety, a donné plus de 33 millions de dollars à 100 000 enfants. Et la Fondation s'adresse à qui? Donc les dons vont s'adresser à des enfants soit gravement malades, soit qui ont un handicap et qui sont dans le besoin, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux soins ou à l'éducation qui permet de traiter leurs problèmes. Ce que j'ai trouvé intéressant de cette charité, c'est qu'il y a le côté cinéma, que je suis dans le domaine du cinéma avec les enfants, où cette charité va aider les enfants directement. Et ça, j'ai trouvé génial qu'on ne donne pas l'argent à d'autres personnes pour prendre soin des enfants, on prend soin des enfants directement. Merci!